Entrez. Dites-moi ce que vous voulez, ou asseyez-vous près du feu et je vous enverrai quelqu'un. J'ai rien fait. J'aime beaucoup ce travail, mais je préfère prendre ma retraite. J'ai pensé vendre l'affaire à Isolda. Enfin bref, que puis-je pour vous ? J'ai entendu de drôles d'histoires au sujet des enfants du Jarl. On dit que l'un d'eux a mal tourné et que les autres n'ont pas l'air commodes non plus. Mieux vaut garder ses distances. S'il vous faut autre chose, dites-le-moi. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. De quoi avez-vous besoin ? Oui, c'est mon plus jeune fils. Un enfant bien sombre. Je ne sais que faire de lui. Il a toujours été silencieux. Mais ces derniers temps, quelque chose a changé. Il devient colérique et violent. Il refuse de me parler. Mais j'ignore ce que j'ai fait pour le contrarier. Si vous pouviez simplement lui parler, apprendre la vérité, je vous serais éternellement reconnaissant. Encore quelqu'un qui... Alors comme ça, ce gros porc vous envoie m'embêter ? Un jour, je lui fendrai le crâne pour qu'il me laisse tranquille. Mon père, il sait rien de moi. Mais moi, je le connais. Et j'en sais beaucoup sur la guerre. Plus que ce qu'il s'imagine. Je sais qu'il prie encore Talos, et qu'il hait les Talmor, presque autant que les Sombrages. Je sais aussi qu'il a peur d'être chassé de Blancherive. Qu'il... Que j'ai pas la même mère que mon frère et ma sœur. Ce château est vieux. Il y a beaucoup d'endroits où personne va plus depuis longtemps. Des endroits où on peut entendre des trucs, voir des choses. Et aussi la Dame des Murmures. Elle veut pas me dire son nom. Je suis devenu très fort pour écouter aux portes. Je l'entends me parler à travers la porte du sous-sol. J'ai cru que j'étais pris, mais elle a commencé à me dire des tas de secrets. Le problème, c'est que j'arrive pas à ouvrir la porte. Au sous-sol, vous pouvez pas la rater, croyez-moi. Je parie qu'elle va vous parler à vous aussi. Impossible de trouver des petits pains dignes de ce nom dans ce trou à Ragnar. J'attendais quelqu'un qui soit plus en mesure d'exécuter ma volonté. L'enfant est plein d'entrain, mais il manque d'organisation. Malheureusement, je ne peux pas atteindre votre plan de manière aussi directe. Mais je vous pardonne de ne pas savoir qui je suis. Peu entendent encore mes murmures. Je suis Mephala, la Dame des Murmures. J'influence les relations entre les mortels. L'amour, la haine, la loyauté, la trahison. Le garçon était doué pour découvrir les secrets. Vous, j'espère vous voir prendre un rôle plus actif. D'abord, vous devez ouvrir cette porte. Une partie de mon pouvoir a été enfermée de l'autre côté, et mes yeux n'arrivent pas à voir derrière les sceaux.
Je préférerais le savoir entre les mains d'une personne ambitieuse et talentueuse telle que vous. Tout Blancherive est en proie aux tensions et à la paranoïa. La cour du Jarl a raison d'avoir peur de la puissance que je détiens derrière cette porte. Le Jarl ne fait confiance qu'à peu de gens et ils causeront sa perte. L'enfant des ténèbres sait de quoi je veux parler. Laissez-le vous guider. Vous, vous connaissez la Dame des Murmures ? Je vous ai dit, je connais ce château comme ma poche. Cette porte est un peu bizarre. Il n'y a que deux personnes qui savent l'ouvrir. Balgruuf et Farangar, le sorcier de la cour. Débrouillez-vous pour qu'il l'ouvre. Farangar, il manquerait à personne. Très bien. Excellent travail! J'espère que vous êtes assez perspicace pour voir que l'épée ne correspond pas à la description de la lame d'ébonite que vous connaissez. Voilà trop longtemps qu'elle est laissée en dehors des alliances et des trahisons. Pour retrouver sa gloire passée, elle doit d'abord s'abreuver du sang de la fourberie. Votre monde est pétri de mensonges et de penchants pervers. Ma lame est une adorable sangsue qui se repaît de la traîtrise et en nourrit son maître. Cherchez ceux qui vous sont les plus proches. Le dernier soubresaut de leur petit cœur accompagnera ma lame dans le chant de votre grandeur.